9,65. Attention, moment d'émotion. Svetlana Boginskaya à la poutre. 10 ans après son titre de championne du monde, elle est revêtue d'une tenue un peu... excentrique, extravagante pour la gymnastique, mais c'est le spectacle que l'on met. Mais lorsqu'on voit Boginskaya à la poutre, on peut se taire, regarder, apprécier, s'émouvoir. Au spectacle, Svetlana Boginskaya qui a enthousiasmé tous les palais des sports de Paris en passant par Amiens, et même Nelson n'a plus de mots, je pense, pour l'interviewer. Pierre, je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est la joie absolue, the joy to still be here, Svetlana, and to enchant the public. How you do? You seem to be having even more pleasure today than a few years ago. C'est vraiment le plaisir qui l'emporte lorsqu'on vous voit. Yes, because gymnastics is a beautiful sport, and that's why I'm here. I want to bring more people to come to the gyms and enjoy gymnastics. Eh bien, j'ai une mission, c'est celle de venir, de faire venir de plus en plus de monde vers la gymnastique, ce merveilleux sport qui m'a tant apporté et auquel j'apporte tant. Merci beaucoup, Svetlana. It's been a pleasure. Eh bien, formidable, Boginskaya, c'est vrai. Avec cette sortie, un double saut périlleux arrière pour terminer. Et je crois que c'est sur ces images que séduisant pour la gymnastique féminine et la gymnastique tout court que nous allons quitter